une vie qu'on ne pose pas à toute allure. Une vie de crossover de Boytown, vie de boy de cap, si mon ambition c'est number one. Y'a pas d'acquis, tous les jours on se bat. It's all love, it's all love, c'est mon histoire d'amour avec le microphone. Demain, quand on boxe cette vidéo, parce que esclave toujours ni tout bonjour, ni tout ouvert. Pour nous, comme si nous sommes nés, d'amener comme nous, beaucoup de gens. Mais l'or, c'est pas bon. Nous, j'ai un esclave, bundaula bu sew kesse 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 la xam duñu jang bu ba ken duñu jangal comme dila amon detail duñu len jangal mais comme ça comme ya la mine de chance ma box ci film bi box ci vidéo bi comme ça damel ni comme esclave comme problème ci monde ñepp la problème ñepp la nekul comme africain kesse nekul comme tubab kesse comme du non. On remercie le monde de la culture. On vous a vu nombreux et bien représentés. On a reçu beaucoup d'amour bien avant cette projection. Et je remercie tout le monde au nom du Studio Sankara et au nom de Didier. Moi, je suis issu du département d'anglais de l'Université Charles Diop de Dakar. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir eu comme professeur M. le ministre qui est là présent en deuxième et troisième année. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on traite un peu dans ce film, je connais. Parce qu'il m'en a parlé. Maintenant, j'aimerais avoir l'avis de monsieur le ministre de la Culture, Mounoutignac. Mounoutignac, au-delà d'être ministre de la Culture, c'est un ami et ça fait plaisir qu'il soit là. Mon message, c'est un message de félicitations. Un message d'encouragement. D'abord pour la qualité de ce film, mais la qualité des acteurs. Au Sénégal, pendant longtemps, même pour ne pas dire en Afrique, on a négligé deux aspects majeurs, la vérité autour de l'esclavage et la résistance africaine face à la domination, autant de domination. L'esclavage est une responsabilité partagée. Il n'est pas que le fait de l'Orient ou de l'Occident. Il n'est pas, du moins, le fait que le fait de l'Orient ou de l'Occident, il est aussi le fait de l'Afrique. À travers des complicités locales qu'il va falloir également intégrer dans l'appréciation globale. Ce que vous avez offert aujourd'hui comme tableau est la plus belle synthèse de l'identité universelle que nous cherchons. Assumer les faits mémoriels, ne pas chercher le coupable, mais assumer la responsabilité de partager et remettre tout le monde à l'unisson, ensemble, pour recréer, redéfinir le monde avec de nouveaux rapports plus sains, plus honnêtes, plus transparents. Vous savez, l'esclavage, le panafricanisme que tu aimes bien, que tu arbores, que tu défends à travers Sankara, n'est rien d'autre qu'un effet boomerang de l'esclavage. Des hautes plantations, les États-Unis, des premiers rebelles positifs, ont pris conscience de la nécessité de refuser la domination. Et c'est parti. De là-bas, ils ont théorisé, jusqu'à revenir d'abord en Afrique via l'Europe, comme la balle qu'on a jetée sur un mur et qui est revenue sur notre visage. C'est ainsi que des jeunes comme vous, comme nous, les étudiants, en vous présentant par mégarde au PSA de Fespoko, sa réaction c'est de dire « Guy le Burkinabé, Guy l'Africain. » Didier l'Africain, Didier le Burkinabé. Nous allons faire, en tout cas, sachez que vous pouvez compter sur le gouvernement, sur le ministère, pour accompagner vos initiatives. Il ne s'agit pas d'accompagner Didier.
Il s'agit d'accompagner vos initiatives. C'est l'occasion pour moi. J'ai eu l'occasion de passer une journée hein, chez vous, sans être invité, voyant comment vous allez vous pouvez faire subir de par votre engagement à maman, à madame, aux enfants, à tout le monde. Vous enfumez tout le monde par votre engagement, mais positivement. Ensuite, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ensemble, je pense que ça va continuer. À FESPACO, c'est pour bientôt. Il faut également que ça défile, qu'on voit, qu'on en parle, invitons ensemble la jeunesse. D'accord, quand on refuse, on dit non. Mais il faut dire non pour les grandes causes, les belles causes, les bonnes causes, les causes qui fédèrent, qui rassemblent, pas les causes qui divisent, qui brûlent, qui incendient. Je conclue pour vous simplement. Merci pour ton engagement sincère, transparent, en restant indomptable et debout. Moi, depuis que je suis là, chaque fois que Didier me parle, c'est pour attirer mon attention. Pour attirer mon attention sur un fait, sur une négligence, sur une omission, sur quelqu'un qui mérite de faire l'objet de l'attention. Et ce n'est pas évident. Vous ne m'avez jamais parlé de votre propre problème, ni au président, mais vous battez pour la cause de la culture. Pour son réellement, pour ce que nous avons en partage. Bravo, cher ami. On peut bâtir ensemble le pont entre l'Europe et la République sans tenter de domination, ni fourberie, ni jeu, ou ni soi qui mal y pense. Tout le monde.